Dans l'épisode d'ici tout commence, programmé le mardi 13 décembre 2022 à 18h30 sur TF1, les élèves de premières années ont appris le deal entre Lisandro, Agustin Galiana, et Tessier, Benjamin Baroche. De ce fait, ils manifestent devant le double A en soutien à David et ne veulent plus de Lisandro comme professeur. Tessier débarque et rétablit l'ordre rappelant qu'il fait ce qu'il veut à l'institut. Après avoir appris cet arrangement, Antoine, Frédéric Diéfantal, s'oppose au directeur, mais en vain. Le proviseur ne compte pas laisser Lisandro reprendre son poste. De son côté, Deva, Cathy Pakanathan, devine que Souleyman, Dembo Camilo, a donné l'info sur l'arrangement entre Lisandro et Tessier à David. Le couple se dispute et la jeune femme décide de faire une pause avec lui. Elle est déterminée à aider son professeur jusqu'au bout. Lisandro impressionne, David en couple avec Deva dans Ici tout commence sur TF1, le championnat de mixologie débute. Au total 8 candidats vont tenter d'impressionner le jury sur une épreuve de flair bartending. Elena, accompagnée de Solal et David, impressionne. Lors du tour de Lisandro, accompagné par Deva et Ambre, les élèves de premières années huant leur ancien professeur. Le président du jury accepte qu'il passe plus tard. Antoine confronte ensuite Lisandro et demande d'abandonner afin d'éviter que la situation dégénère. Rose, Vanessa de Mouilly, interrompt la conversation et accable son compagnon. Lisandro se montre plus déterminé que jamais. Ainsi, lors de l'épreuve, il fait le show au point que les élèves finissent par l'applaudir. Elena, quitte Picamol, arrive première et Lisandro se qualifie de justesse en étant quatrième. Les deux amis se félicitent et malgré l'enjeu et le poste de professeur, ils restent amis. Tandis que Souleyman s'emporte contre David, Lia Melman, au CDI lui reprochant d'avoir brisé son couple. À son départ, David se marre, au grand dam de Solal, Benjamin Doumba Paris. Il confie à ce dernier qu'il va tenter sa chance avec Deva et jure qu'ils seront en couple dès demain. Vic étonne Louis-Louis. Fabien Wolfram, a remarqué que Vic, Loul Al-Ghairi, ne faisait rien en cours. Il estime que ses amis font toujours le travail à sa place alors qu'elle réussit ses évaluations. L'élève de première année lui assure qu'elle s'entraîne beaucoup. De ce fait, Louis lui impose une nouvelle recette d'Auguste Armand pour cet après-midi. Si elle demande de l'aide, elle sera virée. Vic finit par trouver la recette dans un livre du CDI, mais elle est complexe. Vic souhaite s'entraîner avec Billy, Margot Kembi Aguilar, mais celle-ci doit faire des préparations pour Louis. Ce dernier avait donc tout prévu sachant que Théo est en rendez-vous. Aucun membre du cercle n'est disponible, Vic va devoir se débrouiller seul. Après 2 heures d'épreuve, Vic rate sa présentation, mais réussit le plat. Elle explique à Louis qu'elle observe les autres en cours puis s'entraîne. L'important pour elle, c'est le résultat. Axel inquiet pour sa mère Lola Tessier. Sandra Valentin, la mère d'Axel, retrouve son fils chez Constance, Sabine Perrault. Elle arrive sans son mari, Philippe, qui est retenu sur un chantier.
Axel, Thomas da Costa, pense que ses parents se sont disputés, mais Lola le rassure. En revanche, cette dernière est sur son téléphone et ignore les questions de Constance et Axel. Elle prétend répondre à une amie avec qui elle doit aller boire un verre. En cuisine, Charlène, Paula Petrenko, remarque le comportement calme d'Axel, ce qui n'est pas dans son habitude. Son cousin confie craindre la séparation de ses parents et pense qu'ils se sont disputés. Charlène se montre rassurante. De son côté, Lola rejoint Joachim, Janice à Brick, devant un hôtel. Alors que celui-ci a repris son activité d'escorte boy, la mère d'Axel reconnaît avoir besoin de tendresse malgré l'amour qu'elle porte pour son mari. Finalement, elle est mal à l'aise et préfère partir, ce que comprend Joachim. Ici tout commence à retrouver du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1.